Bonjour, vous faites combien? 30, ok. Merci, au revoir. Bonjour, c'est combien la PS2 là? Ça? Ah oui, là. 25. Ouais. Et le jeu là, qui est-tu? Là. Combien? 5. 5, ok. Merci. Bonne journée, au revoir. Comment? 25. Non, merci, au revoir. Tu fais combien les jeux Game Gear? 6. 6 euros l'unité. 10. 10, ah ouais. Ok, merci, au revoir. Bonjour, vous avez que ça comme jeu ou vous en avez d'autres? Non, j'ai que ça, j'ai plus que ça. Ok, merci. Je vous en ai, au revoir. Le jeu, c'est combien les jeux comme ça? En même temps, il y a le jeu, mais il y a au moins une dizaine de jeux dedans. Aussi. D'accord. Il y a plusieurs jeux à tarif. D'accord. Vous faites combien le tout ça là? Les jeux, c'était 1 euro pièce. D'accord. Ah, je vous prends le tout, vous faites à combien les trois là? On fait comme ça, on arrondit les trois carrément. Il y a que des jeux à tarif à ce truc. Oui, mais c'est normal ça, parce qu'en fait c'est plusieurs disquettes en ligne, tout ça. Non, ça c'est opération, le justicier, tout le okay. Bon, vous faites combien le pot? Donc ça ira plus vite, on va pas faire un par un. Le tout comme. Vous faites à combien? 3 boîtes là. 15 euros ça vaut. 10 euros ça va? Là ça fait 15 euros. Il y a plein de titres, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 euros. Ouais. 2 euros. Ah bah je prends la 10 moi. Hein? Je prends la 10. Ça vous va? Allez, allez. Merci hein. De quoi? Je suis fait 3 euros avec le livre. Il a dit non? Si, mais je le prends. Hein? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Bonne journée, au revoir. Et ça vous fait d'accord? Non, parce qu'en bon état, il manque plus l'alimentation. Ah, il y a pas l'alimentation. Voilà. Ouais, 200. Tu prends une Caritel de Super Nintendo, ça passe. Ça passe. Une Famicom, ça passe. Une console japonaise. Ok, t'es
regarde, tu vas faire comme ça. Pour une augmentation de tonne de normal, classique, en même européen, tout à fait. Et il faut mettre un fond rouge. Et après, faut pas le brancher sans que ça m'envoie. Non, en fait, faut le brancher avec un. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, en fait, vous prenez l'alimentation de la Super Nintendo, ça passe. C'est moi, j'aime là. Ça passe dessus ? Non, ça passe. Ouais, pour ça qu'il y a 110. Au pire, tu vas à République et tu vas à un magasin qui s'appelle Repo Gameplay. Ils connaissent, ils vont te dire, c'est vraiment bien. Non, il y a une autre Super Nintendo classique, ils ne vont pas dire. Je vais te montrer combien. C'était combien ça ? Ah, oui, ça oui. J'ai des goûts, juste pour les voir comme ça. On pourrait même payer à 300 euros, mais on a plus pour voir. On a mis sous la box. Parce que sous le soleil, c'est pas bon. Pour la... Regarde, ici. Il y a quoi, il y a Il y a des questions. Tu demandes un cas d'alimentation pour payer ton dos. Regarde en plus l'application. Ouais, c'est pas payé. Attends, on va voir. Vous avez des cas d'alimentation ? Non. Ils ont pas. Ça, c'est le câble d'alimentation ? Non. C'est l'endroit qui était. Ça, c'est le câble en tête pour le son. Quoi ? J'ai que pour les jeux. Ah, si, il y a des switchers en plus. Pour mettre les jeux Super Nintendo japonais et les jeux français. What? Bah tu vois, ils vont voir là. Alors, tu peux la tenir plein. On va voter. Ça veut dire, on s'allume. Et bonne journée, hein. Merci à toi pour les. Pas de soucis. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Salut et bienvenue sur la chaîne du CR Gamer pour le compte rendu de Brocante du 17 avril 2022. Alors comme à mes habitudes maintenant, je ne vais plus maintenant au Brocante à 6h du matin, c'est fini, c'est mort, ça ne sert plus à rien. Hop, je vais faire la mise au point parce que le téléphone il a du mal à faire la mise au point là. Je mets pas d'objet, il a du mal à faire la mise au point, je sais pas pourquoi. Donc du coup, je ne fais plus de vide grenier ou de Brocante à 6h du matin, ça ne sert strictement à rien. Donc ça c'est terminé, c'est mort, c'est terminé. Cette légende où je vous dis d'aller à 6h du matin en Brocante, la légende est fausse. Parce qu'aujourd'hui, j'y suis allé à 17h, il y avait deux très très belles choses. Alors vous avez pu le voir dans la vidéo, vous avez vu des cartouches Neo Geo, voilà, des jeux Neo Geo. Donc un truc super rare, franchement, très surpris. Par contre les prix, waouh, ça pique un peu les prix, hein. Franchement ça fait mal. Hein. Je sais que c'est la Rolls-Royce des consoles, mais là ça fait un peu mal. C'est des prix à 200 balles, donc ça fait un peu mal. Mais malgré tout, j'ai récupéré quand même quelque chose. Avec la seule et unique, c'est une VHS. Aujourd'hui il n'y aura pas de DVD. J'ai failli en prendre, mais je me suis dit, oh, non, vas-y aujourd'hui c'est bon, avec tout ce que j'ai récupéré en DVD, il n'y avait pas des trucs de ouf de toute façon, donc je me suis dit, allez hop, on prend ça. Puis de toute façon, il y a le téléfilm que je recherche. Je sais même pas comment il s'appelle, et alors pour le trouver ça va être chaud, hein. Donc j'avais pas envie de traîner. Donc du coup je suis quand même à 17h et j'ai trouvé cette cassette, donc Peter et Elliot le dragon. Donc c'est une édition Les Trésors de Walt Disney en vidéo. Donc c'est des cassettes qui sont assez recherchées par les fans de Disney. C'est des cassettes blanches, et c'est assez recherché. Donc vous avez la cassette, vous avez les chiffres romains. Pour ceux qui veulent savoir l'année, c'est écrit ici. Voilà, je vous laisse chercher quel année c'est. Donc voilà, c'est un grand classique de chez Disney.
Du coup, il y avait un stand très intéressant de bons jeux vidéo, comme vous avez pu voir dans les images. Alors, c'était une personne qui vendait, il y avait un peu de tout. Il y avait une Super Nintendo Jap, donc une Super Famicom, en boîte. Donc, le mec, je lui ai dit, bah vas-y, prends-la, c'est une bonne affaire, puisque il faut juste rajouter, il manquait le câble d'alimentation et la péritel. Donc, il fallait juste prendre, une alimentation de Super Nintendo européenne, et ça passe dedans. Hein. Je vous le dis très clairement, pour ceux qui ne le savent pas, une Famicom, moi j'en ai une à la maison, elle est quelque part ici, je l'ai toujours. J'utilise la prise d'alimentation européenne et ça passe, hein. Alors que c'est une japonaise, hein, à la base. Un élément à intensité, c'est pas bon, mais vu qu'il y a le truc, le gros truc, le bloc d'alimentation, ça fait... voilà, vous avez compris. Et du coup, je lui ai pris des jeux. Bon, il voulait me les vendre à 20, mais moi j'ai négocié, vous avez entendu dans la vidéo, d'un moment. C'est des jeux Atari. Alors c'est rare que je rentre ça. Mais je me suis dit, vu comment c'était beau, les images étaient magnifiques. Les jeux ont l'air magnifiques. Voilà, on commence tout de suite par ça. Les Voyageurs du Temps. Une référence à Retour vers le Futur, hein, très clairement. Pour moi, c'est rien que l'image. Pour moi, ça veut dire ça. Hein. Donc c'est fait par Delphine Software Cinématique. Donc c'est compatible avec l'Atari ST et STE. Et c'est un magnifique jeu d'aventure. Je crois que c'est un point and click, hein, il me semble. Hein. Et c'est juste magnifique. Regardez-moi ces images. Pour l'époque, on est je pense qu'on est dans les années 80, mais alors, c'est sûr que c'est les années 80. Je pense qu'on doit être à mi-80, on doit être en 85. Il n'y a pas marqué année. Alors, c'est en format disquette. Les disquettes, vous voyez, il n'y a pas les floppy disks, hein, les grosses cassettes molles. Hein. Les disquettes molles, c'est... Attendez, il y a peut-être la date. Non, c'est pas marqué la date. Du coup, c'est en disquette comme ceci. Vous voyez, ça s'ouvre comme ceci, hop. Et dedans, c'est un petit disque à l'intérieur, magnétique. Et du coup, ben, vous voyez, c'est en plusieurs parties. Il n'y a pas de CD à l'intérieur. C'est des disquettes qu'on utilisait, qu'on mettait à l'intérieur de l'ordinateur. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Et vous pouvez en acheter, hein. C'est avec un USB, c'est possible. Mais là, par contre, là, malheureusement, ce n'est pas jouable avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Bon. Après, si vous installez un petit logiciel, ça passera. Hein. Donc, c'est les Voyageurs du Temps. Donc, on a trois disquettes. Je pense qu'il n'y en a que trois. On a des espèces de trucs. Alors, je découvre avec vous parce que je ne les ai pas ouverts. Hein. Je vous dis tout de suite, je ne les ai pas ouverts. Il n'y en a qu'une seule qui m'a ouvert la boîte. Et ça, c'est ABC. Je ne sais pas ce que c'est. Reproduction interdite. Alors, qui est-ce qui irait reproduire ça? Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un truc, un code, je crois que c'est les codes des couleurs. Il y en a 300, ça va de 1 à 300. ABCD, ABCD, ABCD. Ça doit être des codes de couleurs, donc je sais pas ce que c'est. Alors, je vous avoue que j'ai jamais eu de Atari ST, donc je les découvre totalement. Donc on a ce petit truc, je sais pas ce que c'est. Donc dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est pour les connaisseurs de Atari. On a le petit manuel là. Le petit manuel. Donc, ah, bon, on a une petite grille. Ah, parce que ça va sans doute aller avec les petits trucs. Donc, on a une petite grille avec marqué ABC. Vous voyez, ABCD. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à voir. Donc, là, on a l'histoire du jeu. Ah, c'est bien. Hein. Une petite histoire. Alors, là, il nous dit avec quoi c'est compatible. Amiga 500 et 2000, jeu sur disque dur, installation, démarrer votre partie sur disque dur. Bon, c'est un manuel, hein, avec une petite histoire. Ah, avec qui passer le balai. 4 systèmes de jeu. Les Voyageurs du Temps est le premier programme Delphine Software qui utilise le système cinématique, entièrement géré à la souris. Cette nouvelle génération de jeux est tournée vers l'essentiel, le plaisir de l'aventure. Franchement, ça donne envie, hein. Bon, malheureusement, là, pour l'instant, j'ai pas d'Atari ST sous la main. J'ai que des Atari 2600, donc pour l'instant, c'est pas possible de jouer à ce jeu. Je ne pourrais pas vous le faire découvrir. Hein. Je ne pourrais pas vous faire un gameplay dessus pour l'instant. Tant que j'aurais pas trouvé la console, je sens qu'il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose à l'intérieur. Alors, on va essayer de voir ce que c'est. Oh non, c'est juste ça, en fait. C'est juste un truc... marron, parce que ça doit être un morceau de la boîte. Non. On va le remettre. Hop, ça fait du bruit. Ça a été bien pour faire de la ASMR, ça. Donc du coup, on remet le livret, on remet la petite grille transparente,
on remet la petite grille multicolore et les trois disquettes et on referme le tout. Hop, merde, le fourreau s'est accroché. Hop, et on referme le tout et c'est juste magnifique. Une belle boîte grise, même pas abîmée. Bon, le fourreau il est un petit peu vécu, hein, mais bon, on va pas se plaindre. Hein. C'est juste magnifique. C'est les voyageurs du temps, la menace. Donc peut-être qu'il y en a d'autres. Et tout de suite, on passe au second jeu que j'ai récupéré. Donc, je vous dirai le prix à la fin. Donc, c'est celui-là que j'ai vu en premier. C'est le Fire Force 2. Franchement, moi, ça me donne envie quand je vois des images comme ça. Fait par Titus Interactive. Alors, c'est ça, hein, c'est Titus, il me semble, de mémoire. Avis, éditeur, logiciel Titus. Non, c'est Titus court. Non, c'est Titus Software, voilà, pardon. Donc, la jaquette est juste magnifique. Moi, le fourreau est de. Pff, voilà, c'est les années 80. Là, elle se fait au point. Là, vous avez les années 80, là. Très clairement. Hein. Et c'est un jeu où vous pouvez piloter c'est tiré d'une bande d'arcade. Et c'est un jeu qui peut se piloter en voiture et aussi en hélicoptère. Donc c'est juste magnifique. Et il y a 28 terres à avenue de Versailles. 93 220 Cagny. 1990. Ça date de 90. Ça c'est bien. Je savais pas, moi je pensais que c'était plus vieux, vous voyez. Alors là on a tout un lot de disquettes. Ah oui voilà. Il m'avait dit il y avait plusieurs disquettes à l'intérieur. Donc il voulait me faire un prix au début. Waouh. Pour les disquettes, franchement. Donc on a le jeu l'allemand Fire and Forget. Ça c'est Forget. Oui c'est Fire and Forget 2, pardon, j'ai oublié de dire le titre. Donc je sais pas si. J'espère qu'il est dedans d'ailleurs. On va regarder. Donc vous voyez, on a plein de disquettes, on a une espèce de plastique qu'on va mettre de côté. Donc là on a le Atari ST After the War. On a Fire and Grime Store. Firebird. Ah mais Firebird c'est les Pontiac ça. Ça, Firebird, c'est signe des Pontiac ça. Donc on a ça. On a le Wild Street. Donc Wall Street. Opération Thunderbolt, toujours sur Atari ST, fait par Océan. Les mêmes qui ont fait Jurassic Park sur la Super NES, encore à Océan avec les Justiciers. Donc on a Dragon Ninja, le disque 1. Double Dragon 2. Ah, Double Dragon 2 sur Atari ST. Franchement, on a Opération Thunderbolt, donc celle avec l'autre. Encore un autre perso Thunderbolt, donc on doit voir l'intégrale. On a le Shadow Warriors disque 2, Shadow Warriors disque 3 et le Fire and Brightstar Firebird. Ouais, bah tout n'est pas complet. Hein, parce que, vous voyez, là il manque le disque 2. Bon, la disquette 2 pour le Dragon, Double Dragon 2. Évidemment, en ce moment, il y en a du Double Dragon. Hein. Là, j'ai trouvé un Double Dragon. Versus Battletoad hier, puis ça. Donc voilà, il y a même pas le jeu dedans. En fait, il y a même pas Fire and Forget dedans. Fire and Forget 2. Bon, il n'est pas dans la boîte. Bon, est-ce qu'il sera dans l'autre? Et parce qu'il y en a un dernier. Alors, c'est trois jeux. Hein. Il y a trois jeux Atari ST. Donc, c'est celui-là qui m'a fait décider d'acheter tout le lot parce qu'il y avait quand même plein de disquettes à l'intérieur. Et du coup, le dernier jeu, c'est. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est juste magnifique. Last Ninja 2. Back with Avengeance. Systems 3. Donc il est en état nickel. Oh, c'est juste magnifique. Ah oui, il y en a plusieurs aussi. Ah, donc on a peut-être la continuité à l'intérieur. Regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a quoi? Ben, on a le Ninja 2. Donc ça va avec celui-là. Donc déjà, on a celui-là. On a un Beach Volley. Toujours par Océan, donc on va mettre de côté. No exit, donc pas de sortie. Je connais pas. Bon, on a pas de sortie, donc no exit. Le disque 2, donc ça va avec celui-là. On a le Shadow Warriors, donc ça va avec l'autre là qu'on a vu tout à l'heure dans notre boîte. Ah bah on a le After the Wars, ça va avec l'autre. On a Italie 90, donc ça doit être un jeu de foot. Atari ST Colors Monitor. On a le Ivanoé, j'essayais de savoir quelle lettre c'était. Hein. Sur Atari, on a le disque 2. Ah bah voilà, on a le Atari Italie 90. Donc on a les deux disquettes. Ah bah super.
On a le Double Dragon disque 2. Super. Double Dragon 2, disque 2. Voilà. On a aussi le Evenaway, donc ça sera avec celui-là. On a le Adidas Championship Style Break sur Atari ST. Donc il n'y a qu'un seul disque, donc ça c'est complet déjà. On a la suite de Beach Volley, bon, le début. Et le dernier jeu c'est... Ah bah voilà. Le Fire and Forget 2. Insert disque in drive and turn on your computer. Donc là il nous dit très clairement, insérez votre disquette et allumez votre ordinateur. Bon bah du coup c'est complet et en plus on a plein de petits trucs bonus, c'est génial. Donc le... Ah mince, c'est disque B. Atari Street disque B. Non, il est pas complet. Parce qu'il manque le disque A. Bon, c'est pas très grave, hein, tant pis. Tant pis, il fallait garder avant. Donc je vais vous dire le prix. Avant, je vais ranger tout ça. Et je vais vous dire le prix. Bon, malheureusement, celui-là n'est pas complet. Le Ninja 2. Last Ninja 2, pardon. J'ai payé, donc... Je range ça, hop. Ah, j'ai oublié de faire montrer l'arrière aussi. Adverse 3D Map Adventure Handbook. De toute façon, il est en anglais. Donc, j'ai payé ce Last Ninja 2, ce Fire and Forget 2 et les Voyageurs du Temps, la menace, pour 10 euros. Ouais, vous avez vu le nombre de disquettes qu'il y a à l'intérieur. Franchement, ça vaut le coup. Il en voulait 20 au départ. Hein. J'ai dit non, moi je ne vais pas plus de 10. Hein. Déjà, on ne sait même pas si ça fonctionne. Je ne sais même pas. Moi, j'achète, comme je vous dis, j'achète sans regarder. Je dépense sans compter, hein, comme dirait John Hammond. Donc, moi, je ne regarde pas, en fait. Ce que je fais, c'est que, hop, dans les greniers ou dans les brocantes, on n'a pas trop le temps de tout regarder parce qu'il y a des choses, après, qu'on peut louper. Et du coup, bah, je prends, comme je l'ai dit, c'est le but du jeu. Je me fais avoir, bah, c'est tant pis pour moi. Et ça sera tant mieux pour lui, hein, tant pis. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le but du jeu. Hein. Faut tant pis pour ma gueule, hein. Du coup, 10 euros ce petit lot de jeux Atari, ça mange pas de McDo. Et là, on passe aux choses qui m'intéressent le plus, donc la PS3. Et là, il y a pas mal de bons titres dans l'eau. Hein. Franchement, il y a des titres super sympas. Donc bien sûr, je vous dirai le prix à la fin. Maintenant, je vais dire le prix à la fin. Donc on va commencer. Alors attendez, je vais sortir du sec parce que je sais plus ce qu'il y a. On va commencer par une édition essentielle. C'est le Watch Dogs. Alors je l'ai en édition normale et maintenant je le rentre en édition essentielle. Donc par contre j'ai pris tout le lot. Ouais, il a resté, hein. J'ai pas pris ceux que j'avais déjà en double, ça servait à rien. Hein. Donc il m'a fait le tout. Voilà, je vous dirai pas le prix maintenant, je vous le dirai après. Donc je n'ai pas regardé s'ils étaient en français et je n'ai pas regardé s'ils étaient dedans. Donc je les ai pris, il m'a dit le prix, j'ai dit bon allez vas-y, ok c'est bon. J'ai fait le calcul, ça allait. Donc c'est parti, on va découvrir, je vais découvrir s'ils sont dedans ou pas. Oui, donc c'est bien le bon disque, hein, parce qu'on reconnaît, parce qu'il est rouge, voyez, il est marqué essentiel. Tous les jeux essentiels, le disque doit essentiellement être rouge. Voilà. Du coup, tout est présent, il y a la notice. Et maintenant, on va découvrir si le jeu est en français. Oui, le meilleur sur PlayStation 3. Hacking is your weapon. Ouais, donc c'est bien en français. Donc c'est le BLES 1854 E pour essentiel. On passe au second jeu PlayStation 3 pour mon full set. Hein. Ça va. Là, ça fait monter mon full set. Hein. Donc là, vous avez le premier jeu. Maintenant, on passe au deuxième. Toujours en essentiel. Alors là, c'est un peu différent. Non, c'est bon, c'est le même. Non, je crois que c'était un peu différent. Donc c'est le Need for Speed Rivals. Donc je sais même pas si je l'avais d'ailleurs en édition normale celui-là. Je ne crois même pas l'avoir d'un seul coup, je suis en train de penser, mais je crois que je ne l'ai même pas en édition normale celui-là. Je crois que je regarde dans les Need for Speed. Donc c'est l'édition essentielle. Et du coup, c'est le 15e. Non, c'est. Ah non. 15 Best of Award. Ok, je ne l'avais même pas. Attention. C'est le bon jeu. Donc c'est le bon jeu. C'est bien la version essentielle, vous voyez que c'est rouge. On a la notice, donc ça doit être la notice classique. Par contre, je ne vois pas le français dedans, donc. Est-ce qu'il va être en français? Ça va être la grande découverte, attention! Flic ou pilote? Oui, c'est bon. Best of PlayStation, donc c'est un multilingue. Ouais, multilingue. Double langue, plutôt. Parce que là, on a le néerlandais et le français. C'est bien ça, hein. Je regarde quelles sont les limites. Ok.
C'est bon. Donc c'est le BLES 1894E. Donc on n'est pas très loin de Watch Dogs, tiens. Donc c'est l'édition essentielle et il est complet. Parce que je pense que ça devait être une notice comme ça dans la version Need for Speed Rival. Et tout de suite, on passe au troisième jeu que j'ai récupéré dans ce lot. C'est toujours un jeu essentiel. C'est le Uncharted 3, l'illusion de Drake. Donc, vu que là, on voit qu'il est déjà, on voit que c'est bon signe puisque c'est en français. Donc, c'est toujours une édition essentielle puisqu'il y a le petit truc rouge et c'est marqué en grand essentiel dessus, au pluriel. Et c'est le bon jeu. C'est le bon jeu. C'est la bonne, c'est le bon CD qui va dans cette boîte. Donc, le truc rouge autour, c'est le bon truc. Et il y a la notice avec un petit code à l'arrière. Enfin, je vous montre pas pour des raisons que après les gens ils vont. De toute façon, il n'y a rien dedans. À mon avis, ça doit plus être bon. Donc du coup, il est en français, donc ça c'est très bien. La boîte est impeccable. Bon, la jaquette, il y a un petit peu des trucs là, mais bon, c'est pas très méchant. Donc c'est le numéro. Ah, c'est un BCES 1175. Donc là, c'est un peu différent. Vous voyez, c'est un BCES. C'est pas un bless comme d'habitude. Donc ça c'était les jeux. Je crois qu'il reste encore des jeux en essentiel ou pas. Non. C'est tout pour les jeux essentiels. Maintenant on va passer aux jeux dits normaux. Donc il n'y a pas de platinum, c'est juste des jeux normaux. Donc un jeu que je vois pas souvent. C'est le. Bon, on voit les Naruto très souvent, mais celui-là, c'est la première fois que je le vois. Donc c'est le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Collection. Donc je sais pas, je ne connais pas celui-là. Ah d'accord, ok. Ok, on a plusieurs Ninja Storm. On a le 1, le Ninja Storm, le Ninja Storm 2 et le 3. Donc c'est une compilation des 3 Ninja Storm. Donc attention, découverte. Est-ce qu'il va être intérieur? Il y a un CD intérieur, effectivement. Est-ce que ça va être le bon? Oui, c'est le bon. C'est le bon jeu. D'ailleurs, j'ai même pas regardé les états. Putain, je suis con. Ouais, bah ils sont nickels. Alors là, ils sont impeccables. Il n'y a pas un pet de rayure. Alors là, c'est juste impeccable. Du coup, on a la notice. On a une petite code, hop, que j'ai caché parce que sinon, hop, il y a des gens qui vont s'amuser à taper le code. C'est le numéro 2221. On a failli avoir que les deux. Ah, c'est pas un jeu en français, merde. C'est pas un jeu en français. Japanese Voice version valable. Donc c'est un jeu en anglais. Ah non, si, c'est un jeu européen parce qu'on a le Peggy. Par contre, il n'est pas en français. Bon, ça doit être une version anglaise, je pense. Ça doit être ça. Une version. On va savoir de suite. BLES, non, 2221. Alors, je sais pas. Il doit être sorti que en anglais, remarque. Hein. Je sais pas du tout. Bah, dites-moi en commentaire si vous savez que si ce jeu est sorti en français. Bon, c'est pas grave parce que c'est quand même une collection. Donc, on a 3 jeux en un. Donc, c'est super. Donc maintenant, on va passer au cinquième jeu. Donc le moins, là, celui-là, c'est le moins intéressant. Mais au moins, ça complète le full set. C'est le NBA 2K16. Donc le 2016. Ah, est-ce qu'il serait pas en anglais lui aussi? Voyons voir. Constituer une équipe, c'est bon. Il est en français. Donc j'ai un peu peur parce que j'ai vu marquer Be the Story. Donc EuroLeague Basketball. Est-ce qu'il est complet? Oui. C'est bien le NBA 16. Donc ça complète le full set des jeux PlayStation 3. Donc là c'était vraiment un boulot d'un seul coup qui est apparu. Ça n'a pas été pris. Surtout vous allez voir les titres après. Très intéressant. Donc là hop, je vais virer le sac. Et là on va passer aux 5 derniers jeux. Donc un classique que j'ai déjà. Mais celui-là est quand même beaucoup plus propre. Donc je vais pouvoir changer le mien. C'est le Minecraft. Minecraft sur PlayStation 3 édition. Donc l'autre, le mien était. Bref, il avait subi la flotte. Et du coup, il était en mauvais état au niveau de la jaquette. Et il n'y avait pas la notice. Donc est-ce que celui-ci aura la notice? En tout cas, la jaquette est en meilleur état. Donc là, on voit que franchement, c'est beau. Et c'est en français déjà. Donc ça, c'est bien. C'est très bien, c'est un bon point. C'est en français. La jaquette, il n'y a rien à dire, elle est propre. J'ai l'impression qu'il y a deux jaquettes, non? Ah non, c'est juste le plastique en bas qui me donne l'impression. Et du coup, est-ce qu'il est dedans? Oui, et en plus, il y a la notice. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est génial. En plus, c'est un jeu qui commence à avoir une petite cote, hein, les Minecraft. Hein.
Et Minecraft, celui-là, il a une petite cote. Hein. Donc ça, c'est super. Parce que c'est une édition complète. On n'a même pas regardé les CD, encore une fois. Et franchement, impeccable. Pas une rayure. On dirait qu'ils ont juste retiré le blister et puis hop. Donc celui-là, super. Donc il rentre dans la collection parce que l'autre, celui que j'avais, il était vraiment abîmé. Donc l'autre, il partira à la revente ou à l'échange. Et celui-là, ben, il va rester avec moi. Donc c'est le numéro BLES 1976. Donc c'est magnifique, il est en français. Donc on passe au suivant. Allez, celui-là. Le One Piece Pirate Warrior 3. Donc il me semble que j'avais le 1 et le 2 et il me manquait le 3. Du coup, je pense que ça devait être le dernier. Fait par Bandai Namco. Et attention, il est dedans. Et bien sûr, notice nickel. Et je... Pff, il y a juste une poussière. Ouais, j'arrive pas à l'avoir comme ça. En tout cas, il est complet. J'avais récupéré les deux autres à Micromania. On a pu citer. Il y a un petit code. Ouais, il y a un petit code, bien sûr, comme d'habitude. Donc ça, c'est super. Donc j'ai les trois One Piece Pirate Warriors. Est-ce qu'il est en français, bien sûr? Retrouvé dans un seul... Dans un seul jeu, l'intégralité des aventures palpitantes de Luffy. Donc on a toujours les voix en japonaise. Le manuel, il est en français. Et texte et écran en anglais, français, italien, allemand, Hartung Hartung. Et espagnol. Et c'est le numéro, donc, du coup, BLES 2140. Donc on est presque pas très loin de la fin des jeux PlayStation, il me semble. Hein. En tout cas, on sait qu'à peu près, il doit y avoir déjà 2140 jeux hein, sur la PlayStation 3. On passe au... ben là, on commence à être... ouais, c'est les trois meilleurs, les trois derniers jeux. Et là, franchement, c'est pas mal. C'est des bons titres hein, de la PlayStation 3. Des titres qui cotent quand même pas mal. Donc, on va commencer par le... Allez, donc, on passe allez, au suivant. Il en reste encore trois. Et voici celui-là. Donc c'est le Lego le Hobbit. Mais par contre là je sais pas, je sens, il me paraît bien léger là. Donc je pense que là, vu le poids, je sens que soit il manque la notice, soit il manque le jeu. Et là, vu que j'entends rien quand je le fais vibrer, je crois qu'il n'y a pas le jeu dedans. Et ouais, et voilà. Et voilà. Comme quoi, je vous ai dit, hein. Bon, bah, c'est pas très grave, hein. De toute façon, c'est que partie remise. Tant pis pour ma gueule, hein, c'est bien fait pour moi. Vous n'avez qu'à garder. C'est ça le but du jeu, de toute façon. De toute façon, pour le prix que j'ai payé, c'est pas très très grave. Hein. Je retrouverai le jeu, sans doute, je ferai un échange avec... si Lightning, tu regardes cette vidéo, ou si quelqu'un possède le jeu en loose, bah, on pourra faire du coup un échange avec le Lego le Hobbit. Donc je cherche le Lego le Hobbit en loose. Hein. Donc ça sert à rien de me le proposer en boîte, hein, parce que j'ai la boîte. Donc du coup, il manquera juste le CD à récupérer. Regardez s'il est en français. Reprenez possession. C'est bon, c'est un français. C'est le BLES 1998, pardon. Une bonne année 98. Du coup, si quelqu'un a le Lego le Hobbit et qui voudrait faire un échange avec moi, donc vous contactez Rémi de Neuilly ou vous contactez sur YouTube, on s'arrangera. Et il me faut saisir de ce jeu. Parce que la boîte est juste magnifique. Donc ça sert à rien de me proposer, comme je vous ai dit, le jeu avec la boîte. Hein. Vous proposez juste le CD en loose. Donc si Lightning, tu regardes cette vidéo, ou Minette Games, si tu regardes toi aussi cette vidéo, ou même Sony Adventure, ou Alex Gaming, ou même Cosho, bravo, on va pas dire tous les noms, hein, sinon ça va durer deux heures. Si vous voulez faire un échange avec moi, ben, j'ai cette boîte vide, et il faudrait que je la complète. Donc si vous pouvez me trouver une paire, c'est-à-dire le CD de ce jeu, ça serait bien. On passe... aux deux derniers jeux, et là c'est quand même des bons titres, donc je sais pas s'ils vont être dedans, donc là ça va être la surprise. Donc vous voyez, le but du jeu c'est ça, on se fait avoir, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, faut bien le prendre. Maintenant on va passer à un autre titre que vous avez vu tout à l'heure, mais différent, c'est le Minecraft Story Mode, donc la Tetal Game Series. Bon, il paraît bien légère, mais en tout cas il y a le CD dedans, donc ça c'est bon signe déjà. Donc là, je suis content parce qu'il y a le CD dedans. Alors, il y a marqué disque d'abonnement saisonnier. Donc, ce qui signifie que le jeu est en français. Déjà, c'est bon signe. Maintenant, est-ce qu'il y a une notice? J'ai pas l'impression. Eh ouais, il n'y a pas de notice. Ah, c'est une... elle est réversible. Ah, c'est une jaquette réversible. Ah, ça, c'est génial, ça. Okay.
Là, on a le code barre et de l'autre côté, on n'a pas le code barre. Vous voyez, il y a marqué Not for resale. Et c'est un français. Oui, de toute façon, c'est démarqué dessus. Donc en même temps. Et ouais, c'est une jaquette réversible. Donc le CD, il est impeccable. Bon, il manque la notice. Donc celui-là, il n'est pas commun. Hein. Franchement, il n'est pas du tout commun. Donc je suis étonné qu'à 17h, il y ait encore. Mais il n'était plus 17h. J'étais étonné qu'il y ait encore des jeux comme ça en brocante. Hein. C'est le numéro 2214. Donc si vous avez la notice de ce jeu, donc le Minecraft Story Mode Atetal Game Series, je suis intéressé pour faire un échange. Donc voyons voir la différence entre les deux jaquettes, c'est quoi la différence? J'essaie de trouver la différence mais je vois pas. C'est complètement con d'avoir fait ça. Attendez, j'essaie de trouver en fait la différence. C'est une jaquette ou c'est deux? Je ne pige pas là. Il n'y en a qu'une seule. Alors pourquoi faire une jaquette où il n'y a rien de différent? J'essaye de comprendre, en fait, j'essaye de trouver. Parce que normalement, quand on fait des jaquettes réversibles comme ça, c'est que il y a toujours une différence, mais là, il n'y a aucune différence. Attendez. Ah, si, il y a une différence, en fait. Mais c'est merdique. Ils ont fait. En fait. Il y a juste son épaule, en fait, là, son épaule, il est blanc, et là, il est rouge. Là, il tire la gueule, et là, on dirait qu'il sourit. C'est spécial, hein. Faire une jaquette pour ça, franchement, c'est spécial, hein. Faut vraiment pas pourquoi faire ça, hein. Donc, du coup, c'est le Minecraft Story Mode. Donc, si vous avez la notice, donc Lightning, tout ça, Minute Game. Si vous avez la notice de ce jeu, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je suis intéressé pour faire un échange. Et là, le dernier jeu, alors faut savoir que ceux-là, bon, celui-là, et ceux-là, ces titres-là, sont assez recherchés sur la PlayStation 3, parce qu'ils sont assez un petit peu cotés, ceux-là. Hein. C'est le Amazing Spider-Man 2. Alors déjà que moi, les Spider-Man, à chaque fois que je les vois sur PS3, dans les, comment ça s'appelle, dans les caches, dans les Easy Cash, tout ça, c'est au moins du 20 ou 30 balles. Donc là, je suis quand même content, surtout au prix que je les ai payés, vous allez voir à la fin. Ça vaut le coup. Bon, déjà, je sens qu'il y a le CD, mais par contre, je sens pas s'il y a la notice là. J'ai pas l'impression qu'il y a la notice. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Parce que j'ai le Amazing Spider-Man que j'avais trouvé, je crois, il y a quelques temps, je sais plus où. Et là, du coup, bah, je rentre le Amazing Spider-Man 2. Et non, il n'y a pas la notice, je le sens au bout du doigt. Et ce. Le Amazing. Ah bah si, il y a la notice, pardon. Si, elle est toute petite, hein, putain. 4 pages. Comme ça, c'est fait. Hein. 4 pages et c'est fini. Donc là, on a le Amazing Spider-Man 2. Donc moi, celui que je recherche, mais c'est celui-là, il y a un petit peu de côté, c'est le Shattered Grid. Shattered Grid, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc du coup, c'est celui-ci que je recherche, le Shattered Grid. Et là, du coup, ça complète mes, mon full set la PlayStation 3 avec le Amazing Spider-Man 2. Donc du coup, bah, j'ai les deux. Et c'est en français. Donc ça, c'est bien. Donc il est en bon état, donc il est complet en fait. Je crois qu'il n'y avait pas la notice, mais en fait, non, il y avait la notice. C'est juste qu'il fait 4 pages. Donc, c'est les BLES 1989. Ah, pareil. Bonne année, ça. 89. Du coup, c'est 10 jeux PlayStation que j'ai récupéré. Donc, le The Amazing Spider-Man 2. Le Minecraft Story Mode. Le Lego Le Hobbit. Par contre, qui ne possède pas le jeu dedans. Le One Piece Pirate Warriors 3. Le Minecraft PlayStation Edition. Le NBA 2K16. Le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Star Collection. L'édition essentielle de Uncharted 3. La version essentielle de Need for Speed Rival. Et la version essentielle de Watch Dogs. J'ai payé 25€. Tout ceci. Donc les 10 jeux pour 25€, ce qui représente 2,50€ le jeu. Donc vous voyez, c'est pas très très grave. Hein. Honnêtement, bon, bah, malheureusement, il n'y a qu'un qui est pas complet. Oui, il manque le CD. C'est le but du jeu, c'est comme ça, faut savoir accepter, c'est un peu pour moi. Du coup, on récapitule, j'ai récupéré 10 jeux PlayStation 3. J'ai récupéré un lot, beaucoup de lots, parce que les disquettes sont à l'intérieur. Deux jeux Atari ST, donc il y en a trois boîtes.
et une VHS de Peter et Elliot le dragon dans une édition Disney les trésors de Walt Disney Home Video. Donc si quelqu'un est intéressé pour faire des échanges, n'hésitez pas. Bon, pour cela, non, parce que ça, c'est pour le full set. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur mon vide-grenier live du 17 avril 2022. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, à partager la vidéo et surtout, abonnez-vous. Et merci encore parce que là, j'ai vu que le nombre de vues a bien augmenté et il y a beaucoup d'abonnés. Merci à vous, les amis. Ciao !